As-tu déjà entendu parler du Black Friday? Black Friday est un jour au cours duquel les magasins offrent d'énormes réductions. C'est un concert importé des États-Unis où le Black Friday a lieu le lendemain de Thanksgiving. En France, il survit un mois avant Noël en pleine saison de vente. 6 Français sur 10 le considèrent comme une incitation à acheter des produits dont ils n'ont pas besoin. De plus, les pratiques peuvent être trompeuses. Les réductions relèvent souvent de fausses promotions ou des prix gonflés. Une étude réalisée par EcoCart a relevé que le Black Friday était l'événement le plus polluant à ce jour. 22 millions de tonnes de CO2 sont émises seulement par les achats en ligne du Black Friday. Un impact environnemental sur différents aspects. Surproduction et consommation des produits non durables. Contribution à la déforestation, le bois étant la principale ressource de fabrication. Achats sont souvent jetés après une utilisation nulle ou unique. Transport. Un camion diesel quittera un centre d'exécution chaque 93 secondes. Et alors, on fait quoi? Une tentative Make Friday Green Again a été mise en place en 2019 et réunit plus que 1300 marques qui s'engagent et sensibilisent à ne pas faire Black Friday. Consommer quand vous avez un vrai besoin, sans excès, est primordial pour la planète. Si vous souhaitez faire un achat dont vous avez besoin, posez-vous ces questions. En ai-je vraiment besoin? L'ai-je vraiment utilisé et pas qu'une seule fois? Suis-je en train de l'acheter pour son prix? Pourrais-je le trouver ailleurs que sur Amazon, Shein, etc.? Et alors, Black Friday ou Green Friday?